Révélée au cinéma dans les années 1990, Géraldine Pellas a rencontré Christopher Thompson en passant des essais. Depuis, le couple ne cesse plus quitter et cesse même marier le 8 juillet 2017, à la mairie de Marseille. Aujourd'hui âgée de 52 ans, l'actrice est aussi l'heureuse maman de deux enfants, née de sa relation avec le scénariste français. Il s'agit de Madeleine Thompson, 25 ans, et Marcel Thompson, 22 ans. Très discrète sur sa vie privée, Géraldine Pellas fait quelques exceptions sur son compte Instagram. S'il lui est arrivé de partager des photos de sa fille Madeleine pour son anniversaire, elle a récemment dévoilé un cliché montrant son fils Marcel. Après quatre mois de séparation, aujourd'hui je te retrouve. Je pense à tous ceux que la vie sépare pour des raisons douloureuses. Et je mesure ma chance, avait-elle écrit en légende d'une photo dévoilée à la fin du mois de décembre 2022. Géraldine Pellas, nous les avons rarement emmenés sur les tournages. Formée à le Wesleyan University aux États-Unis, Marcel Thompson semble suivre les pas de ses parents. Le jeune homme qui parle quatre langues a décidé de se lancer dans une carrière d'acteur et de réalisateur. Une passion transmise très tôt par ses parents. Cela a été un plaisir immense de choisir des films à leur montrer et de partager notre goût pour les grands cinéastes et les acteurs. Il y a eu quelques couacs, des films vus trop tôt parfois, toujours dans la langue originale, même lorsqu'ils ne savaient pas lire avait d'ailleurs déclaré Géraldine Pelas dans Paris Match en janvier 2022. La femme de Christopher Thompson s'était ensuite confiée sur l'éducation transmise à leurs deux enfants. Elle avait expliqué qu'il avait vu leur film, avant de préciser, nous les avons rarement emmenés sur les tournages. J'étais terrifiée qu'ils puissent être séduits pour de mauvaises raisons, parce que la vie sur un plateau, c'est irrésistible, un choix qui n'a cependant pas freiné Marcel Thompson dans son orientation professionnelle.